عبد الرحمن علي وبريويان بقالة جيبوتي وحانو درايا هذا السيعان وحافرسون دون نغطي نبكير مريكا كوالا نولا إلي مادان إلي كي مادان East Coast هذين نغطة كاليفورنيا South هذين نغطة Houston, Texas هذين نغطة New York City East وحافرسون دون نغطي إنان سكوالا نماندو وحانو وحان هاي نكي وقود الوان ماشي كبا ديري لانو مترو وصور راعي رقا ولا لها يا قالسان يقو دياري صور راعين تدبا إلا ما دوري تبا ساعات بيصور شعبين لانو مترو ما صور راعي وحا حالتي رسو كان تاكيدي وشاكا دا كسعوتا لبا تدر كسعوتا جيبوتي انتي جيبوتي دولة دن رشاكا يابا دانا طيبا دوري يصدر سنو انو وحا فرسالي اهيد انا وحا شخصي اهان قرال كون نغضو وكشاكا ويحيد لبا تجرتي ان لبا انتا قاريسا سلواتا سنو وحا فرسالي نغطي ان دادك ورالها يسوى قادان إلا فهمان وحا فرين ايي إما كان اسماعيل المرقلي وقاوي يهيبا وحقا عمصر مجرد دادك marka anuu waxaan doonaynaa inaan soo dhawaado walaalahayow dadka iga yimid wadanada magaalooyinka kale ee istaadiyada kale ee dad waxaan u jeedaa walaalahayow fursadeena noqotay guusheenu way dhex madhaada haddii tole waan jecelahay soo dhawaada idiga mahadsan inaan ku sheegay hadal yar oo kale ilobay waxaan rabay inaan tacsiin u diro dadkii ilaahay jannada ha siiyo kuwii kale bukay la bursaday ama la dhibaateeyey dhaqarada ku jira ama dhaqarada way kuma jiraan xaafada ku qabsan ilaahay ahaa waxa la qabto kuwa kale dhibaatoore baqanayna ilaahay waxa la qabto marka kala ma iga lahaa hees laakiin yaa xamil hees waa halkaas aan ku jiraa thank you Je crois qu'il est temps aussi que je parle en français, puisque Djibouti, tout le monde est par national. Je m'appelle Abdelrahman Ouabeli, je suis avec une Djiboutien, beaucoup de gens me connaissent ici. Je voudrais dire un mot qui sera essentiellement un mot d'accueil pour mes frères qui sont revenus de tous les États des États-Unis d'Afrique. Moi, je suis celui qui a fait le moins long trajet puisque j'ai pris un ticket de métro. Certains de mes frères sont venus de la côte est, de Seattle, d'autres sont venus du sud, d'autres sont venus de l'ouest. Beaucoup de gens se sont ralliés. Nous avons des frères qui sont en partie dans d'autres missions, qui sont en train de voir à l'heure qu'il est des officiels, mais j'en dirai pas plus. Nous sommes ici, ce groupe que vous voyez. Et ce qui nous a amené ici à manifester devant la Maison Blanche, devant Obama, c'est la situation qui prévaut à Djibouti depuis quasiment, je dirais, la naissance de ce pays. Nous avons eu une vingtaine de ce que j'appellerais une dictature gouléliste, qui était un autoritarisme. Ça s'est aggravé, c'est devenu une dictature beaucoup plus sanguinaire, avec Ismaël Merguele. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure en Somalie, le roi est nu et personne, aucun Djiboutien, ne peut se targuer de ne pas être au courant de ce qui se passe à Djibouti. Pour ma part, ça fait une vingtaine d'années que je décrivais la situation djiboutienne, les sorts faits aux plus faibles, les massacres déguisés en, même pas déguisés, ouvertement perpétrés, que ce soit à Arheba contre une partie de la population Afar, que ce soit au Quartier 5 contre un autre groupe, et contre un troisième groupe. Donc c'est une pratique du chaos qui est perpétrée par le gouvernement djiboutien depuis très très longtemps. J'ai eu l'occasion, à titre personnel et d'une manière artistique, de dénoncer toutes ces malversations et tous ces massacres depuis des années. Aujourd'hui, je me réjouis que tous mes compatriotes soient conscients, au courant et se battent. Il ne reste plus grand monde du côté du pouvoir. Et je voudrais dire simplement ici ma conviction que ce pouvoir n'existe plus, il est illégitime et ses jours sont comptés. Et je voudrais finalement terminer d'un mot en remerciant mes frères qui sont venus de tous les territoires américains et au-delà. Et je voudrais leur dire que je les aime beaucoup et que notre combat va porter ses fruits très bientôt. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.